Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium. Petit effet assez rapide, plutôt visuel, qui surprendra sûrement vos spectateurs. Vous allez voir, ça demande pas vraiment beaucoup de technique, mais je trouve quand même l'idée et le montage plutôt intéressant. C'est un petit enchaînement à maîtriser, que vous aurez toujours sur vous, prêt à être réalisé. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de faire un tour sur mon site tutomagie.com pour apprendre les bases de la cartomagie, de la magie des pièces, le tout à travers mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. La plateforme de VOD, la boutique, etc. Et ceux voulant avoir accès directement à Tuto Magie Premium, vous avez le lien directement dans la description et vous avez immédiatement accès à plus de 60 vidéos déjà mises en ligne, sans compter les nouvelles qui seront ajoutées au fil du temps. Sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu card, de 52 cartes différentes. Et pour les besoins du tour, en fait, j'ai préparé sur le dessus du jeu, c'est les 4 premières cartes. Des cartes très spéciales, je vais vous les montrer. Donc on va d'abord les poser sur la table. 1, 2, 3 et 4 cartes. Je vais vous montrer ça. Peut-être que vous avez déjà une petite idée. En fait, ces cartes, ce sont les As. En général, on utilise beaucoup les As en tant que magicien. Et moi, pour le coup, je vous propose de faire un petit effet avec ces 4 As. Regardez bien. On va prendre les noirs, donc l'As de trèfle qu'on va laisser sur la table et l'As de pique également qu'on va laisser sur la table. En main, on va garder nos As rouges et ces As, on va les laisser vraiment tout doucement, nettement sur le paquet juste ici. Regardez bien, je suis vraiment honnête avec vous. Hein. Si je fais une petite passe magique en claquant des doigts, maintenant, sur le dessus du jeu, on a maintenant les As noirs. Mais alors, si on claque également et qu'on claque un peu les cartes, les As rouges se changent en roi, en paire de rois. Et là, pour le coup, c'est très joli. Et le spectateur, je pense qu'il reste sur le cul.